Le compte à rebours est lancé. Le 26 juillet prochain, les Jeux Olympiques vont battre le plein dans la capitale. Un événement que David Douillet va suivre et commenter avec attention sur la chaîne RMC Sport. Avant de devenir consultant, l'ancien judoka a montré que le sport et la politique n'étaient pas incompatibles. Après avoir mis un terme à sa carrière sur les tatamis, l'époux de Vanessa Carrara a occupé le poste de ministre des Sports de 2011 à 2012. Comme lui, de nombreux sportifs ont vécu une carrière politique ou envisagent d'en vivre une. De nombreux sportifs comme Alain Calma, ancien patineur artistique, Roger Bambuck, éphémère recordman du monde du 100 mètres en 1968 et vice-champion olympique de la spécialité. Guy Druth, champion olympique du 110 mètres et en 1976, Jean-François Lamour, qui a remporté deux titres olympiques d'escrime en sabre. Bernard Laporte, qui avait été sacré champion de France avec le Stade français en 1998 en tant qu'entraîneur et enfin Chantal Joanneau, championne de France de karaté kata à 12 reprises, ont tous un point commun, leur expérience en tant que ministre des Sports. Teddy Riner, prochain ministre des Sports? Plus récemment, d'autres anciens sportifs ont intégré le gouvernement. Souvenez-vous de Laura Flessel, double championne olympique d'escrime, qui a été nommée ministre des Sports dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Premier ministre du président de la République Emmanuel Macron. Mais l'épéiste avait quitté ses fonctions pour des raisons personnelles en septembre 2018. C'est Roxana Maracineanu qui l'avait alors remplacée. Une femme également connue du monde sportif, puisqu'elle avait remporté plusieurs titres. Championne du monde du 200 mètres d'eau en 1998, puis vice-championne olympique lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. En 2022, elle quitte ses fonctions à la fin du mandat et sera remplacée par Amélie Oudéa Castéra, actuelle ministre des Sports. L'ancienne compagne du joueur de tennis brésilien Gustavo Kuerten a baigné dans le milieu du tennis pendant de nombreuses années. Mais la France pourrait avoir un nouveau ministre des Sports, bien connu du grand public. Teddy Riner ne cesse de marquer à l'histoire du judo. Le 4 février dernier, il a décroché sa 8e médaille d'or au Grand Slam de Paris. Cette nouvelle victoire a propulsé le poids lourd au rang de judoka le plus titré du tournoi parisien. Mais son succès est loin d'être fini. Ramènera-t-il une nouvelle médaille aux Jeux Olympiques de Paris? Réponse dans quelques mois, mais le judoka semble également intéressé par une autre fonction.